À l'occasion de la sortie de son nouvel album France, Pascal Obispo est l'invité du meilleur des réveils. Et il est en direct avec nous ce matin, Pascal Obispo. Il est là depuis fort longtemps, levé bonjour de Pascal. Bonheur. Tu applaudis les gens qui se lèvent tôt, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, moi, je suis toujours plein d'admiration. On peut applaudir ça. Tu m'étonnes, merci d'être là Pascal. Le nouvel album de Pascal Obispo s'appelle France. Il y a un premier extrait qu'on peut écouter. Voilà, que Pascal va interpréter tout à l'heure en live, en direct, dans le meilleur des réveils. Mais si chanter le matin, c'est bien. Moi, je le fais dans ma voiture. Tu peux le faire en vrai. Écoute, on va faire comme vous voulez. Je suis là pour vous, donc. Pascal. Oui. On a appris des choses. On a reçu un très très beau texte signé Yves Bigot qui raconte un petit peu l'histoire de l'album France. Et c'est fascinant. C'est fascinant parce qu'on veut toujours connaître un petit peu l'histoire des chansons. C'est là, vrai. On a carrément une tranche de vie parce que mine de rien, c'était il y a un quart de siècle. Pardon de le rappeler. Tu n'étais quasiment pas né. Mais c'est ça. Si, voilà. Malheureusement, si. Mais surtout, est-ce que tu as des regrets? Il y avait un album pour France Gall qui était dans les cartons et elle n'a pas voulu. Et tu le sors maintenant. Et tu le sors maintenant. Non, bah, c'est pas qu'elle n'en a pas voulu, c'est qu'elle avait décidé d'arrêter de plus chanter. D'arrêter oui, de plus chanter. Et puis le patron de label, Luigi Calabrese, était vraiment très insistant. Et je pense qu'il a eu une bonne idée d'insister auprès de moi pour que j'écrive ces chansons, puisque finalement quelques-unes ont pas mal vécu. Ah, oui, oui, ouais, on va en parler. Ouais. À part les inédits, évidemment que j'ai retrouvé. Non, bah écoute, c'est une belle aventure. J'ai plein d'histoires comme ça, mais en fait, c'est en faisant mon application. Soir, ah non, faut pas sortir, faut rentrer dans mon studio. c'est moi, je trouve ça magnifique. C'est en faisant l'application Obispo All Access que j'ai lancée il y a 9 mois, ouais, que j'ai retrouvé, tu vois. Les Pro Tools, je suis retombé dessus en fait. Et je m'amusais à raconter quand j'ai fait ma génération, parce qu'on me disait ça ressemble un petit peu à Berger et tout. Je disais oui, mais c'est Michel, mais c'est pas Michel. Personne comprenait ce que je voulais dire, donc je m'amusais à travailler comme ça les gens avec ce gimmick. Et ça m'a incité à fouiller dans mes Pro Tools et j'ai retrouvé les versions originales, originelles de certaines chansons. Et quand j'ai réécouter les nouvelles versions, comme Il est celui que je voulais ou L'inacceptable que j'ai donné par exemple aux 10 commandements. Ouais. C'est vrai que ça n'avait rien à voir. Et on s'est dit, tiens, si on s'amusait à remettre ces chansons comme elles devaient être, et on va faire encore pire, on va pas les mettre en 97, on va les mettre en 1980. Juste entre Beau Séjour et Paris-France, deux albums cultes de Berger Gall. Et on s'est amusé à essayer de un peu se rapprocher du son. Mais j'ai remis les chansons telles quelles, en fait, comme je lui avais proposé, finalement. Ouais. C'est rigolo. On retrouve l'essence. Même ça que tu disais, c'est Michel, mais c'est pas Michel, c'est cette phrase que France Gall... Phrase culte. Ouais, culte, c'est ce qu'elle t'a répondu à l'écoute de exactement. Ce que tu lui proposais. Mais comment ça s'est fait, justement, cette rencontre? On est venu te chercher pour te dire qu'il faut que t'écrives un album pour France Gall? Exactement. Il s'appelle Luigi Calabrese, qu'on salue. Oui, c'est pas trop de maison de disque ou de label. Ses oreilles doivent siffler en ce moment parce que je parle beaucoup de lui. Tu parles beaucoup de lui, c'est vrai. C'était le patron d'un label chez Sony qui était ami avec France. Il m'a demandé de faire des chansons. Moi, j'étais en train de faire. Pour Johnny et tout ça. Et puis j'ai dit oui. Et puis voilà, j'ai toujours voulu composer des chansons pour d'autres artistes. Et j'ai toujours été très fan de France Gall. Et Michel Berger, à partir du moment où je suis rentré dans la chanson française, je trouvais que c'était à peu près une des choses qui me correspondait avec Paul Naref, avec Christophe, avec Chamfort et des personnes comme ça, avec Woolsey. Voilà, c'est une espèce de famille d'écriture que j'aimais bien. Et puis on allait au rendez-vous et puis on a dîné. Et juste après, j'ai été chanter sur le piano de Michel. Incroyable. Par contre, c'était vraiment le piano de Michel. Mais vous savez que je m'appelle aussi Michel, c'est drôle. Hier, il y a l'autre Michel qui m'a envoyé un texto. Il me dit « Bonjour Michel, Michel Polnareff ». Il m'a envoyé un texto pour déconner, juste pour me dire un truc. Il me dit « Salut Michel ». Oui, parce que je m'appelle aussi Michel, vous savez. Mais non, ne le savais pas. Deuxième prénom. Bah non, je m'appelle Pascal Michel. Ah non, c'est voilà. Pas. Ah, moi, on apprend des trucs. Oui, bon, on apprend toujours des trucs. Ça, et vous inquiétez pas, j'en ai encore dans mes Pro Tools. Dans quelques avec mois, nous. Dans quelques mois, je reviendrai avec d'autres trucs. J'ai retrouvé des... Ah non, mais c'est génial. Je suis pas encore une antiquité, mais je suis un vrai antiquaire. Pas du tout, même. On a hâte de tout savoir.
On va marquer une pause. Il paraît que t'aimes bien The Weeknd. Ah, cette chanson, elle est fantastique. Bah, c'est pour toi. On va écouter ensemble Can't Feel My Face. Ce sera juste après la météo. Donc, on va marquer une petite pause. Avec, on va parler un petit peu du temps qu'il va faire aujourd'hui. Et puis, on reviendra avec Pascal Obispo pour parler de ce nouvel album France qui nous a fasciné. L'histoire nous a fasciné. Donc, on va continuer à en parler. Merci. Et puis, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. C'est ça. Très bien, cordialement.